À l'été 2020, Laurence Boccolini a claqué la porte de TF1 pour rejoindre la chaîne France 2 et ne regrette pas d'avoir franchi le pas. Le courant passe très bien avec la direction, qui m'accorde toute sa confiance, a-t-elle déclaré dans une interview avec Télé 7 Jours. L'animatrice, qui se plaignait de ne plus faire beaucoup d'antennes, a pu animer plusieurs jeux sur le service public. J'ai cartonné avec les jeux mots de passe et un mot peut en cacher un autre. On m'a, par ailleurs, confié des prime time, et j'ai co-présenté le concours de l'Eurovision, a-t-elle ajouté avant d'envoyer un gros tacle à TF1, au fond, je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir quitté TF1 plus tôt. Le 9 août 2021, Laurence Boccolini lancera aussi sa version de l'émission culte Tout le monde veut prendre sa place, que Nagui a choisi de ne plus présenter après 15 ans de bons et loyaux services. Nagui a choisi de s'en aller pour des raisons de convenance personnelle. Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Il n'y a aucun malaise entre nous. Je suis heureuse et honorée de lui succéder, a-t-elle confié. Un nouveau défi que la maman de la petite Willow n'a pas peur de relever. Tout le monde veut prendre sa place, les changements en plus de l'arrivée de Laurence Boccolini, le jeu de France 2 va s'offrir quelques petits changements qui colleront plus à la personnalité de l'animatrice. Ainsi, le décor, le logo ou encore le générique vont être légèrement modifiés et une petite nouveauté va faire son apparition, la question pour tous, QPT, qui sera, comme son nom l'indique, posée à tous les candidats lors de la première manche.